Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande de joie d'être là avec vous en ce 13 mai, jeudi 13 mai. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Ascension. Jésus qui monte au ciel dans son corps et dans son âme. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui maintenant est assis à la droite du Père et qui amène avec lui notre nature humaine. Notre humanité est déjà au ciel avec le Christ. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er jusqu'au verset 1 à 11. J'ai consacré mon premier livre au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres, qu'il avait choisi sous l'action de l'Esprit-Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que les pères avaient promis. Ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche, Jean lui a baptisé avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et moment que le Père a fixé de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ce mot, sous leur regard, il s'éleva et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Ce Jésus qui, d'après de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela. De la même manière, vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors, ici, ce premier chapitre des Actes des Apôtres nous parle exactement de ce que nous célébrons aujourd'hui. Jésus est avec ses apôtres. Jésus leur donne quelques indications très importantes. Et après, Jésus part vers le Père. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus demande ne pas s'éloigner de Jérusalem. Première chose, il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'éloigner de l'Église. Première chose, il ne faut pas s'éloigner de l'Église. Deuxième chose, d'attendre ce que le Père a promis. Ça veut dire l'Esprit Saint. D'attendre le don de l'Esprit Saint. Et il va dire, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint sous peu de jours. Ça veut dire pour nous, c'est la fête Pentecôte. Ça veut dire dans 9 jours, on va commencer la nouvelle à l'Esprit Saint. C'est très important. Avec l'Ascension, on commence la nouvelle, la principale nouvelle, c'est la nouvelle préparation pour Pentecôte, pour recevoir le don de l'Esprit Saint, comme Jésus nous a demandé. Jésus a demandé de rester à Jérusalem, ça veut dire en prière, avec l'Église, dans l'attente de l'Esprit Saint, pour bien se préparer, pour recevoir celui que le Père a promis. Et Jésus va dire encore, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, nous allons recevoir une force. Et l'Esprit Saint viendra à nous selon notre désir, selon aussi notre cœur. Ça veut dire, si nous ne désirons pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Si nous avons une grande soif de l'Esprit Saint et nous l'attendons, nous le désirons, il va venir. Très important. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous après l'accomplissement de la promesse du Père, ça veut dire de recevoir les dons de l'Esprit Saint, c'est que nous devenions témoins de Jésus-Christ partout où Dieu nous enverra. Et après, il va dire, ce passage, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Si Jésus, d'après de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, c'est ce que nous disons dans le credo.
Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Il viendra un jour pour juger les vivants et les morts. Nous disons cela chaque fois dans notre credo. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 47, versets 2, 3, 6 à 9. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cri de joie. C'est le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. C'est le roi de toute la terre, sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu y règne sur les païens, Dieu siège sur son trône de sainteté. Regardez, Jésus monte au ciel, est assis à la droite du Père. Jésus qui est maintenant dans son trône de gloire, dans son trône de gloire. Mais Jésus règne. Mais Jésus veut établir son royaume en nous, en chacun de nous. Il veut régner à partir de nos cœurs. Et célébrer cette fête de l'Ascension, ce n'est pas Jésus qui s'en va, mais c'est aussi Jésus qui veut rester aussi avec nous et régner dans nos vies. C'est cela que nous dit le psaume. C'est lui le roi de toute la terre, ça veut dire de mon être. Et laisser Jésus régner en nous. Ça veut dire que ma vie, elle doit être conduite par lui, non pas par moi. Ça veut dire que mes actions doivent être conformes à la volonté de Jésus-Christ. D'accord? Mais il y a ici toute une invitation des peuples, de toute la création, d'acclamer Dieu par des cris de joie. Ça veut dire que nous louons et nous réjouissons avec Jésus. Parce que Jésus dit aussi dans l'Évangile, « Si vous m'aimiez, vous allez être dans la joie parce que je vais vers celui qui est plus grand que moi. » Ça veut dire que Jésus va vers le Père. Et en même temps, Jésus qui dit, « Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. » Alors, maintenant, par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 13. « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené les captifs. Il a donné des dons aux hommes. Il est monté. Qu'est-ce qu'à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Alors, ici, pardon, au terme de laquelle nous devenons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Voilà cette lecture de Éphésiens chapitre 4. Mais si vous avez bien remarqué, ils disent ici, conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Après, il va dire, il n'y a qu'un corps, un esprit, qu'une espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Qu'est-ce que ici, Saint Paul est en train de nous parler? De l'unité. L'unité. Cette unité qui vient de Dieu et que nous devons aussi la manifester entre nous. Ça veut dire que pour nous préparer pour cette fête Pentecôte, on doit demander une grande grâce d'unité. Et s'il y a des choses qui ont été blessées dans notre unité, ça veut dire qu'il faut se réconcilier, il faut demander le pardon. Parce que
nous ne pouvons pas être réunis en Église pour demander l'Esprit Saint s'il n'y a pas d'abord des choses résolues entre nous pour que notre cœur, nos âmes soient prêtes à recevoir l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint descend toujours sur un terrain d'unité, où il y a l'unité. Et s'il y a l'unité, il y a aussi la paix. Très important, c'est que cette lecture veut nous dire, pendant cette novène à l'Esprit Saint, on doit vraiment résoudre tous nos problèmes, nos difficultés entre nous, pour avoir l'unité et la paix. Ça veut dire qu'il faut pardonner, ou alors recevoir. Même si la personne ne me donne pas le pardon, je peux quand même pardonner. Ou je peux aller voir la personne et demander pardon. Mais c'est quelque chose d'essentiel pour que l'Esprit Saint puisse venir. L'unité. Et après, il donnera ses dons. Il donnera ses grâces pour chacun de nous en vue de notre mission et de notre vocation. Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils en poseront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Voilà. Le Seigneur confirme la parole qui va être annoncée par des signes. Ça veut dire que Dieu, en train de vouloir nous préparer pour cette fête de Pentecôte, pour recevoir les grâces personnellement, mais aussi les grâces en vue de l'Église, la mission, de l'évangélisation concrètement. Et Dieu dit, quand nous allons parler, donner la parole de Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, va aussi accompagner notre parole et lui, il va agir. Ça veut dire que nous sommes seulement des instruments pour que la parole puisse s'entendre. La parole ne appartient pas à moi. Elle n'est pas un propriétaire personnel. Ce n'est pas mon domaine. Mais la parole, je la donne, c'est un acte de foi, c'est un acte d'obéissance à Jésus, parce que c'est lui qui nous envoie. C'est Jésus qui nous envoie pour annoncer l'Évangile à toute création. Et Jésus qui est fidèle, qui nous accompagne, il va manifester l'action de son Esprit Saint par des signes qui nous donnent là, ici, l'Évangile d'aujourd'hui. Mais n'oublions pas, quel est le but de l'évangélisation? Le salut. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Alors, c'est la fécondité de l'Église, d'engendrer de nouveaux enfants, annoncer la parole qui va engendrer le Christ dans le cœur, après l'absence de désir, se faire baptiser, et par le baptême, devient déjà héritier du ciel de la vie éternelle. Alors, c'est Dieu notre Père qui nous aime, et qui veut nous donner le bonheur éternel, que c'est la vie éternelle. Mais la fidélité de Dieu qui nous accompagne par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint agira, même si je vois ou si je ne vois pas, je suis sûr qu'il est en train de faire son œuvre. C'est ça le plus important. Nous devons avancer par la foi. On marche dans la foi. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint-Augustin, homélie pour l'ascension. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit l'apôtre. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut,
C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans éloigner de nous. De même, sommes-nous déjà là-haut avec lui. Et pourtant, ce qu'il nous a promis ne s'est pas encore réalisé dans notre corps. Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour venir vers nous. Et il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Il était là-haut, tout en étant ici-bas. Lui-même en témoigne. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Il a parlé ainsi en raison de l'unité qui existe entre lui et nous. Il est notre tête et nous sommes son corps. Cela ne s'applique à personne sinon à lui, parce que nous sommes lui en tant qu'il est Fils de l'homme à cause de nous, et que nous sommes fils de Dieu à cause de lui. Il est descendu du ciel par miséricorde, et lui seul y est monté, mais par la grâce, nous aussi sommes montés en sa personne. De ces faits, le Christ seul est descendu, et le Christ seul est monté. Non que la dignité de la tête se répande indifféremment dans le corps, mais l'unité du corps ne lui permet pas de se séparer de la tête. Voilà la beauté de la lecture patristique de Saint-Augustin. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.